Bonjour à tous. Je vous souhaite une belle fête des rameaux. Ce matin, nous avons lu le récit de l'acclamation de Jésus à son entrée à Jérusalem, le recevant comme le Messie, comme le Sauveur, comme celui que les prophètes annonçaient. Et nous avons ensuite lu sa passion, c'est-à-dire toutes les souffrances que Jésus a endurées et donc l'offrande qu'il a faite de sa vie. Ce sont toujours des grands moments que de relire ces textes qui nous renvoient vraiment au cœur de l'humanité. On voit les réactions humaines telles malheureusement qu'elles se reproduisent souvent. Et nous voyons en face le comportement de l'agneau, le comportement de l'innocent, du bouc émissaire, de celui qui n'est pas un bouc émissaire inconscient, mais de quelqu'un qui veut réparer justement, qui veut prendre le contre-pied total du comportement de ceux qui lui veulent du mal. Alors aujourd'hui, je vous propose de méditer sur des prières bibliques, prières de l'Ancien Testament. Ce sont des textes que je trouve extrêmement beaux, qui peuvent parfois nous surprendre dans le sens où ça reste l'Ancien Testament. Mais ils nous saisissent quand même par leur beauté, par leur profondeur, par l'appel à la miséricorde de Dieu qu'ils représentent, par le sens de la justice. Ces prières demandent souvent la victoire sur les ennemis, c'est finalement la victoire sur le mal, avec une grande confiance en Dieu. Ce sont des prières de confiance, de prières de confiance en la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur lui et que le bien va gagner à la fin. La certitude que quand on s'abandonne à lui, qu'on se place dans son camp, eh bien, il ne nous abandonne pas. Et le fait de recourir à lui dans l'épreuve, voilà des leçons qui nous sont données par ces prières. Elles nous apprennent aussi beaucoup de choses sur le cœur de l'homme et sur le cœur de Dieu. Je ne pense pas que ces prières soient complètement dépassées. Elles ne sont pas dépassées. Elles nous apprennent beaucoup. Alors, je commence. Je vais les prendre dans l'ordre de la Bible. Je commence par le livre de la Genèse. La prière d'Abraham, quand il apprend que Dieu veut détruire Sodome et Gomorre à cause de leurs méfaits, de leur péché. Dieu, voilà, ils se sont trop mal comportés et ils ne se repentent pas. Donc Dieu a dit à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorre, que le feu du ciel allait tomber sur ces deux villes. Et Abraham va donc intercéder pour ces villes. Abraham se tenait encore devant Yahvé. Il s'approcha et dit: vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer? Et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? Yahvé répondit: si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Abraham reprit: je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Mais peut-être, des 50 justes, en manquera-t-il 5? Feras-tu pour 5 périr toute la ville? Il répondit: non, si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole et dit: peut-être n'y en ira-t-il que 40? Et il répondit: je ne le ferai pas à cause des 40. Abraham dit: que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. Et il répondit: je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Il dit: je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il répondit: je ne détruirai pas à cause de 20. Il dit: que mon Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il répondit:
Je ne détruirai pas à cause de 10. Yahvé ayant achevé de parler à Abraham s'en alla, et Abraham retourna chez lui. Une autre belle leçon qu'on peut tirer de cette prière, c'est la crainte de Dieu dans le sens le respect infini envers Dieu. Dieu, c'est pas Nestor, c'est pas « Eh oh, dring, 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 j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». C'est pas non plus le copain de cours d'école. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il est infini. Et donc, ce respect qu'il a, cette manière de se reconnaître tout petit devant lui et de l'inviter à être patient en face de ce petit homme qui ose, qui a le culot de parler à Dieu, de demander des choses à Dieu, hein, c'est très très beau. Voici maintenant la prière d'Anne. Anne qui vient de mettre au monde son fils Samuel. Vous savez qu'elle était stérile. Et la stérilité est une des maladies les plus guéries dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est un des miracles les plus courants qu'une femme ou qu'un couple stérile mette au monde un enfant. C'est une image, une annonce de la naissance virginale de Jésus. Je vous lis cette louange de Dan après la naissance de son enfant. Alors Anne fit cette prière. Mon cœur exulte en Yahvé, ma puissance s'élève en Dieu, ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. Point de saint comme Yahvé, car il n'y a personne excepté toi, point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. Un Dieu plein de savoir, voilà Yahvé, à lui de peser les actions. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants sont ceinturés de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante 7 fois, mais la mère de nombreux enfants se flétrit. C'est Yahvé qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Shéol et en remonter. C'est Yahvé qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur. Car à Yahvé sont les piliers de la terre, sur eux il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants disparaissent dans les ténèbres, car ce n'est pas par la force que l'homme triomphe. Yahvé, ses ennemis sont brisés, le Très-Haut tonne dans les cieux. Yahvé juge les confins de la terre, il donne la force à son roi, il exalte la puissance de son Messie. Nous arrivons au livre de Tobie. Tobie, c'est une très belle histoire d'un homme qui met toute sa confiance en Dieu et qui lui est extrêmement fidèle, qui est très obéissant à la loi de Dieu malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la solitude dans sa foi, parce qu'il est persécuté par les païens. Et il est même devenu aveugle, il s'est pris de la fiente d'oiseau sur les yeux, et il en a perdu la vie. Et il s'adresse à Dieu avec cette prière de lamentation. Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. Toutes tes voies sont grâces et vérité. Tu es le juge du monde. Et maintenant, toi, Seigneur, souviens-toi de moi, regarde-moi. Ne me punis pas pour mes péchés, ni pour mes ignorances, ni pour celles de mes pères. Car nous avons péché devant toi et violé tes commandements, et tu nous as livrés au pillage, à la captivité et à la mort, à la fable, à la risée et au blâme de tous les peuples, et tu nous as dispersés. Et maintenant, tous tes décrets sont vrais, quand tu me traites selon mes fautes et celles de mes pères. Car nous n'avons pas obéi à tes ordres, ni marché en vérité devant toi. Et maintenant, traite-moi comme il te plaira. Daigne me retirer la vie. Je veux être délivré de la terre et redevenir terre. Car la mort vaut mieux pour moi que la vie. On m'a fait des reproches sans raison et j'ai une immense douleur. Seigneur, j'attends que ta décision me délivre de cette épreuve. Laisse-moi partir au séjour éternel. Ne détourne pas ta face de moi, Seigneur.
car mieux vaut mourir que passer ma vie en face d'un mal inexorable, et je suis là de m'entendre outragé. Et nous avons la prière de sa femme Sarah. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas sa femme, de Sarah. Sarah, c'est celle qui va devenir la femme de son fils qui s'appelle aussi Toby. Toby va, dans la suite de l'histoire, Toby fils, Toby junior, diraient les Américains, va épouser Sarah. Mais Sarah, c'est une cousine qui, elle, s'est mariée 7 fois et à chaque fois, durant la nuit de noces, son mari est mort. C'est la joie parfaite. Et voici la prière qu'elle adresse à Dieu. Tu es béni, Dieu de miséricorde, que ton nom soit béni dans les siècles et que toutes tes œuvres te bénissent dans l'éternité. Et maintenant, je lève mon visage et je tourne les yeux vers toi. Que ta parole me délivre de la terre, je ne veux plus m'entendre outragé. Tu le sais, toi, Seigneur, je suis resté pur, aucun homme ne m'a touché. Je n'ai pas déshonoré mon nom, ni celui de mon père sur ma terre d'exil. Je suis la fille unique de mon père, il n'a pas d'autre enfant pour héritier, il n'a pas de frère auprès de lui, il ne lui reste aucun parent à qui je doive me réserver. J'ai perdu déjà 7 maris, pourquoi devrais-je vivre encore? S'il te déplaît de me faire mourir, regarde-moi avec pitié, je ne veux plus m'entendre outragé. Voilà la prière de la confiance des humbles. Nous sommes toujours au livre de Toby. Donc le jeune Toby est parti en voyage pour aller voir son cousin et il compte bien épouser la demoiselle. Et quand il arrive, il est bien reçu et le mariage est conclu. Mais il est au courant, il sait que tous les maris sont morts et donc il a des raisons de craindre lui-même de mourir au début de la nuit de noces. Mais les deux nouveaux époux sont très mignons d'amour et d'espérance. Au moment de se coucher, ils décident de faire ensemble une prière. Cependant, les parents étaient sortis en refermant la porte. Toby se leva du lit et dit à Sarah, « Debout, ma sœur, il faut prier tous deux et recourir à notre Seigneur pour obtenir sa grâce et sa protection. » Elle se leva et ils se mirent à prier pour obtenir d'être protégés, et il commença ainsi. « Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni dans tous les siècles des siècles. Que te bénissent les cieux et toutes tes créatures dans tous les siècles. C'est toi qui as créé Adam, c'est toi qui as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui, et la race humaine est née de ces deux-là. C'est toi qui as dit, il ne faut pas que l'homme reste seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Et maintenant, ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d'un cœur sincère. Daigne avoir pitié d'elle et de moi, et nous mener ensemble à la vieillesse. Et ils dirent de concert, Amen, Amen. Et ils se couchèrent pour la nuit. Et la suite de l'histoire, c'est que pendant que son beau-père est en train de creuser une tombe dans le jardin au cas où, il survit. Il survit. Il passe la première nuit en vie et ils vont faire un beau mariage réussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai encore quelques prières bibliques à vous lire, demain, sans doute. Pour la Semaine Sainte, en forme extraordinaire, nous enregistrerons en direct sur la chaîne de l'abbé Emeric Merkens, donc l'office de la Seine, le jeudi soir à 18h, de la Passion du Seigneur le vendredi à 18h aussi, et de la Veillée Pascale le samedi à 21h. Je vous dis donc à très bientôt dans la joie de vous retrouver.